Amen. Rien que le sang de Jésus. En tout cas, c'est le plus précieux cadeau que nous avons. Parce que sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon. Ainsi, son sang a été versé pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous affranchir de tous les liens. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. On va prier pour aborder rapidement la parole. Père Céleste, au moment où nous allons lire ta parole, nous voulons simplement te demander de venir l'ouvrir pour nous. N'importe quelle personne est capable d'ouvrir cette Bible, la feuilleter, même la lire. Mais ça ne donnera rien. Parce que s'il a donné quelque chose, les pharisiens se séparent, peut-être sans égarer dans leur voie. Même aujourd'hui, les grands intellectuels, les docteurs en théologie, ne se séparent non plus égarés dans la connaissance de Christ. Voilà pourquoi ce soir, nous demandons que tu viennes à notre aide, au secours de chacun de nous. Nous voulons connaître l'auteur de ce livre. Lui, si on le connaît, nous avons la vie. Si on le connaît, on aura la paix, le repos, la joie qui nous manque. Connaître le livre seulement ne suffit pas. Te connaître, toi, le seul vrai Dieu, oh, ce qui est merveilleux. Aussi, viens à nous ce soir et parle-nous. Qu'on nous révèle-toi à chacun de nous. Afin qu'en rentrant, puisqu'on dit, nos cœurs a brûlé quand il nous parlait. Fais-le encore comme tu l'as fait au jour où tu as rencontré ces deux disciples qui allaient à Emmaüs. Après que la crucifixion ait eu lieu, ils ne savaient même pas que la résurrection a déjà eu lieu. Même quand les femmes en ont parlé, ils n'y croyaient pas. Mais plus tard, quand tu t'es révélé à eux, quand ils t'ont vu, Seigneur, ils ne sont pas restés là. Ils ont pris le chemin de retour jusqu'à Jérusalem pour retrouver leurs frères et les autres compagnons. Sachant que, Père, tu allais cette fois peut-être te manifester, tu l'as fait. Ce soir encore, manifeste-toi à chacun de nous et ouvre ta parole pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Ça s'est ressenti un peu dans les chats, à moins que ça soit les types de chants qu'on a chantés. C'est ça, non? On va chanter le 380 alors. Pour faire un peu. Alors, Léon, tu reviens. Jésus, ami fidèle de mon âme. Jésus, ami de mon âme, sauve-moi un des grandes hommes. C'est toi seul que je réclame, en toi j'ai le vrai repos. Où il est? Animel? Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai tout haute et grâce, tu seras à mon ferme appui. On va reprendre. De Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes ondes. C'est toi seul que je réclame, en toi j'aime ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi si j'ai douté et grâce, tu seras à mon ferme. Oui, ton nom seul est saint et juste. Je ne suis l'iniquité. Oui, en toi, rédempteur ou auguste, tout est grâce et sainteté. Oui, ta puissance est efficace, ton amour est infini. Et toi si j'ai douté et grâce, tu seras mon frère, ma fille. Oui, garde, Jésus.
Maranatha, Seigneur, viens, ma guérite révèle-toi. Puis dans ton amour, fidèle, sois mon âme à l'amour. Oui, ta puissance, Seigneur, est efficace, ton amour est infini. En toi, Seigneur, tout est grâce, tu seras à moi, ma prière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 5. Alors que le matin, nous avons parlé de la restauration de la vie de l'Église, il faut que tout soit ramené dans l'ordre divin, comme l'avons lu. Ce soir, nous allons parler également de la restauration de la vie individuelle, du couple et de la vie familiale. Parce que le rassemblement de l'Église ou des enfants de Dieu, c'est généralement le rassemblement de couples et de familles. Même s'il y a quelques personnes qui sont encore individuelles, c'est tout à fait normal. Mais le plus grand lot, c'est des familles, c'est des couples. Et si dans les couples, dans les familles, dans les foyers, ou dans la vie individuelle, la restauration, comme le demande l'Écriture, la parole de Dieu en cette fin des temps, n'est pas accomplie, ceux qui se rassemblent pour rien. Alors dans Jean, dans 1 Jean 5, on va lire à partir du verset 12, jusqu'au verset 13, c'est les deux versets. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà. C'est très clair, c'est précis. Ici, Jean dit, si quelqu'un a le Fils, il a la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Alors, du coup, tous ceux qui n'ont pas le Fils et qui se rassemblent, c'est sûr qu'ils se rassemblent pour rien. Ils n'ont pas la vie. Ni en eux, ni au milieu d'eux. Il n'y a pas la vie. Or, la promesse qui a été faite, c'est la vie éternelle. Donc, bien aimé, ce qui est primordial pour un individu, parce que ça commence par l'individu. Avant qu'il y ait un couple, avant qu'il y ait une famille, ça commence par l'individu. Que cet individu-là élabore la vie en lui. Et c'est pour ça que souvent je dis, avant de contracter un mariage, il faut d'abord être soi-même né de nouveau, converti. Parce que sinon après, il n'y a que des problèmes qu'on aura. C'est pour ça que souvent certains foyers ne réussissent pas. Vous savez comment ça s'est passé souvent au milieu de certains frères. Le lien est fait, les gens se réjouissent, on fait toutes les cérémonies, et puis les jours qui suivent, les choses dégringolent. Pourquoi? Parce que certainement, il y a un manque de la vie de Dieu en soi. Ah oui? Quand deux personnes ont la vie du Seigneur en eux, ils ont la même vie. Donc, ils ont la même vie, ils ont le même esprit. Ils ont la même manière de voir. Dès lors où ce n'est pas le cas, on se pose la question. Pourquoi ça en est ainsi? Est-ce que nous suivons? Et ici, c'est, il dit, hein, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh là là, quand on arrive au mot croire, c'est vraiment tout le monde dit, moi aussi je crois. Mais si tu crois, on doit voir
à travers ta vie que tu crois. Parce que le chrétien doit vivre la vie de Christ. Il a la vie de Christ en lui. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors montrons-nous, frère, que Christ vit vraiment en nous. Avons-nous sa vie? Alors si nous avons sa vie, il vit en nous. Le matin, on a dit, si Alpha Blondie, l'esprit d'Alpha Blondie habite en nous, nous ferons comme Alpha Blondie, comme tous les chanteurs ou tous les cinéastes, les hommes politiques qu'on connaît. Si quelqu'un a l'esprit de Trump, aux États-Unis, il verrait bien que Trump habite en lui, il verrait bien comment ça se passe. Il continue de se plaindre jusqu'à la même heure, il va se plaindre encore de son échec. Mais laissons cela de côté, revenons à ce qui est primordial. Bien-aimés, avons-nous la vie? La première question est celle-là. Sommes-nous convaincus? Est-ce que nous pouvons prouver à tous ceux qui nous environnent, à ceux qui vivent avec nous, que nous avons la vie de Dieu en nous? Voilà ce que pose la question. Vous qui écoutez en ligne, je vous salue, mais je vous pose la question. Un frère disait, tu pries pour ceux qui sont présents, tu pries pour ceux qui sont en ligne, mais prie aussi pour nous qui allons écouter en différé, parce que souvent on a des problèmes de connexion, on attend que tout finisse, qu'on mette ça en ligne, alors on peut aller écouter. Alors vous aussi, je prie pour vous. Et je vous pose en même temps la question. Ah, pouvez-vous montrer aux gens qui vous environnent, aux gens avec lesquels vous marchez, vous vivez, que la vie de Christ, la vie de Dieu Tout-Puissant est en vous? Pouvez-vous le montrer? Ce matin, pour terminer, on a dit, l'apôtre Paul dit, dans le royaume où nous sommes là, ce n'est pas un royaume de discussion, de dispute, de verbiage, c'est un royaume de puissance. Et ici, ce soir, parce que pour arriver là, pour arriver à ce niveau-là, à titre individuel, on commence d'abord. Pour y arriver, il faut que tu aies la vie de celui qui donne la vie en toi. Si quelqu'un écoute ma parole et croit ce qu'il m'a envoyé, à la vie. Si quelqu'un écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie. Le Seigneur l'a dit, c'est clair, c'est net. Il ne vient pas en jugement, il n'est pas de la mort à la vie. C'est très clair. Mais la question qui se pose maintenant, toi qui déclares ça, prouve-le. Montre que cette vie est en toi, que tu crois. Qu'est-ce que Jacques a dit? Il dit, le diable croit aussi. Hein. Mais il ne craint pas. Il ne peut pas prouver. Est-ce que le diable peut prouver que la vie de Dieu en lui? Il ne peut pas. Mais il croit. Regardez Balaam. Vous pensez que Balaam ne croyait pas? Balaam croyait, il savait. Mais il était orgueilleux. Il était quelqu'un qui aimait de l'argent. Donc ce que Dieu disait là, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est comment avoir son argent. Mais peut-être croyez que Dieu existe. Vous savez bien qu'il a établi 7 autels pour faire les mêmes sacrifices qu'Israël. Et sachez que la nuit, Dieu est venu lui parler. Hein. Même la nuit, Dieu est venu vers lui. Il dit, mais qu'est-ce que ceux qui sont chez toi là? Il dit, mais c'est les gens que Balak m'a envoyés. Pour... Il dit, tu ne diras pas. Le lendemain s'est levé, il dit, Dieu ne veut pas que je parte. Mais si vous voulez là, restez, je vais vous voir encore cette nuit. Frère, le diable ne peut pas prouver que la vie de Dieu est en lui. Donc on ne peut pas prétendre que le fait de dire je déclare que je crois, que la vie de Dieu est en même temps à moi. C'est faux. Si je déclare, je dois prouver. Frère, nous sommes arrivés au stade où la preuve doit être apportée. Oublions le fait de dire je crois. N'importe qui peut déclarer qu'il croit. Mais ceux qui croient, la vie qui accompagne cette foi-là doit être manifestée. Regardez Abraham, Abraham a cru. À 100 ans, il pouvait voir la promesse accomplie. C'est faux? Après 100 ans, il a obtenu 25 ans. La promesse s'est accomplie. Frère, c'est une épreuve. Pendant 25 ans, il a cru. Et la preuve a été donnée qu'il a cru. On pouvait parler également de la maman de Samuel. Elle a été éprouvée par sa coépouse pendant des années. Mais qu'elle a cru et qu'elle a demandé, elle savait que Dieu pouvait ce jour-là. Elle est restée là jusqu'à ce qu'elle obtienne la réponse. Et lui pouvait dire, va, que le Dieu de paix exauce ta prière.
Oui, c'est vrai. Est-ce que nous pouvons aussi apporter la preuve de ce que nous croyons? Mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, vous qui écoutez en ligne et vous qui écouterez après, posez-vous la question. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la preuve de ce que nous déclarons. Nous ne restons plus déclaratifs. Oh frère, moi je suis un croyant. Le catholique peut y croire. Tu ne peux pas le lui contester. Le méthodiste y croit. Tu ne peux pas le lui contester. L'assemblée de Dieu y croit. Tu ne peux pas le lui contester. Toi qui dis que tu es dans le message, tu dis que tu crois. Mais maintenant, mettons-nous sur la même ligne. Regardons. Avons-nous la même foi ou j'ai une foi qui dépasse la leur? Parce que eux, ils déclarent. Si toi, tu déclares, tu n'apportes rien de nouveau. Tu n'apportes rien de nouveau. Le méthodique sort de l'église quand il dit, je suis un croyant, je crois. Je crois en Jésus-Christ. C'est mon sauveur, il est mort pour moi. C'est vrai. Le catholique qui met le petit Jésus encore dans la main de Marie, il va dire, il est un croyant. Il croit au Seigneur Jésus. Tu prends l'assemblée de Dieu, alors là, il va te dire, mais je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. C'est mon sauveur personnel. C'est faux, mais c'est vrai. Et tu ne peux pas le lui contester. Le seul moyen que tu as de lui contester, dis-lui d'apporter la preuve. Parce que, frère, si vous enterrez, comme on est sur le gazon certainement, si on casse un peu ici, on laisse quelques jours, vous allez voir qu'il y a des semences dans ce sol. Il peut vous germer. Vous mettez le goudron quelque part et qu'il n'y a plus rien, personne n'utilise ce goudron-là. Venez quelques années après, vous allez voir. La vie va sortir de ce goudron. Vous ne pouvez pas cacher la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas cacher la vie. On ne peut pas l'étouffer. Ce qui est en toi va être manifeste. Si c'est la vie de Dieu qui est en toi, elle va être manifeste. Mais c'est autre vie qui est en toi, elle va être manifeste. Donc la déclaration qu'on fait n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qui est sous, dit, je ne suis pas sous. Donnez-lui 3 mètres à marcher, vous allez vous rendre compte tout de suite que s'il est vraiment, il a vraiment bien bu, vous allez voir ce qui se passe. Frère, voilà où nous en sommes. Alors, le matin, on a lu, on va relire encore dans Jean, dans Romains 8. Alors, Romains, lit dans Romains 8. On a lu le matin, mais j'aimerais qu'on le relise encore. Cette fois-ci, on va le verset 11, verset 12. On va même ajouter le verset 13, c'est très bon. Le matin, on avait lu le verset 9 et le verset 10. Ce soir, on lit le verset 11 et le verset 13. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà la question fondamentale maintenant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, rend la vie à votre corps mortel. Est-ce que la vie a été rendue à notre corps mortel? Où notre corps vit comme il a appris à vivre naturellement. Où il a changé de mode de raisonnement, de mode de vie. Sa pratique a changé. Parce que ça ne peut avoir lieu que si quelque chose de nouveau a pris place. Souvenez-vous de Jacob. Cette nuit-là, quand l'ange l'a visité, il a dit, bénis-moi avant de partir. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, si tu ne me bénis pas, tu t'en iras pas. La lutte a été très dense jusqu'au matin. Il dit, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as remporté. Désormais, on t'a appelé Jacob, on va t'appeler Israël. Alléluia. Les choses ont changé. Au point où quand on voyait Jacob marcher maintenant, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande, sa femme a dû
Lui, mais. Mon chéri, habituellement, tu ne marches pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pourquoi ta démarche change? On s'est quitté il y a quelques heures seulement. Tu nous as demandé d'avancer. Tu viens avec nous après nous. Et maintenant, tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai rencontré celui qui sauve. Celui que je cherchais là, je l'ai rencontré. Et il m'a marqué. C'est une marque. Est-ce que nous sommes aussi marqués? Bien-aimés frères et sœurs, posons la question. Où en sommes-nous? Si celui qui a reçu Jésus-Christ dans les morts, son esprit habite en nous. Frère, le matin on a dit, si son esprit n'est pas en nous, on ne lui appartient pas. Donc aussi longtemps qu'on ne lui appartient pas, on ne peut pas vivre comme il vit. Donc retenons que le diable aussi dit croire. C'est une déclaration. Et c'est écrit dans la Bible. Alors quoi, toi qui dis tu crois, prouve qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. C'est vrai. Frère, on est arrivé au stade de la restauration de la vie. Notre vie doit refléter la vie de ceux qui nous ont devancés au premier âge. Notre vie doit être identique à leur vie. Nos mots de pensée doivent être identiques à leurs mots de pensée. Puisque Frère Franck dit, la dernière prédication doit être identique à la première prédication. Le dernier baptême doit être identique au premier baptême. Le dernier mariage doit aussi ressembler au premier mariage. Le dernier foyer, le foyer, les foyers dans cet âge-là, doivent aussi vivre comme les foyers de premier âge. Ce ne soit pas comme Ananias et Saphira. Hein. Si vous êtes comme Ananias et Saphira, vous mourrez. Ils aimaient tellement de l'argent qu'ils pouvaient mentir au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont prétendu n'est pas en eux. C'est faux. Ce qu'ils ont prétendu être n'est pas en eux. La preuve en est qu'ils ont pu mentir à Pierre et aux autres. Et Pierre a dit, c'est pas nous que tu as menti, vous avez menti. Comment se fait-il que ton mari et toi là, vous êtes associés au point où vous avez menti au Saint-Esprit? Voilà les jeunes gens qui ont accompagné ton mari là, ils sont derrière la porte. Toi, ils vont t'accompagner. Frère, ça doit être difficile. Ils ont conclu tout dans leur maison. Arrêtons-nous un instant un peu. Voilà un homme et sa femme. Personne ne les a obligés à prendre une décision comme celle-là de vendre leur champ, devant leur maison, devant leur bien. Ils l'ont vendu. L'argent n'est pas leur propriété. Ils ne peuvent pas le garder. Étaient-ils obligés d'aller le faire? Ça, c'est un esprit d'imitation. N'ayez pas un esprit d'imitation de la mauvaise manière. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est différent. Alors comme Ananias et Saphira ont vu que les autres aussi venaient, alors ils vont aussi faire quelque chose pour dire, pour que les autres frères disent, ah, ils sont spirituels, ils sont vraiment des croyants. Et aussi, ils ont vendu, ils sont venus déposer. Mais ils ont oublié qu'ils étaient toujours dans la présence du divin chef. Le matin, je l'ai dit, et vous qui nous écoutez maintenant, écoutez ce qui a été dit le matin. Tous les jours de votre vie, vous êtes dans la présence du divin chef. Vous êtes en présence du Dieu Tout-Puissant. Rien de vous n'est caché devant lui. On est tous connus. Et le moindre acte, la moindre pensée est nue devant lui. Nous sommes nus et à découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte. C'est pour ça que vous devez veiller sur vos langues. Veillez sur vos pensées. Veillez, frère. Alors, Ananias et Saphira, ils ont conclu leur affaire dans leur maison. Ils ont reçu une partie. Pensant que c'est aux hommes qu'ils ont à rendre compte. C'est ça qui nous trompe souvent. Hein. Souvent, nous pensons que c'est aux hommes que nous allons rendre compte. Quand nous posons des actes, nous prononçons des paroles. C'est comme un jour, quelqu'un est venu raconter des histoires à mon oncle Kwadjo. Et puis il m'appelle, il dit, Kwadjo, il faut arrêter cette affaire-là. Je ne veux pas prononcer la chose. Je dis, qui t'a dit c'est ça? Reste tranquille. L'information qu'on te donne là, c'est le vrai. Attends seulement. Il n'y a pas un individu qui a le droit de te le donner. Et ça, public. Mais il ne faut pas être un colporteur de mauvaises informations. Il faut te taire. Tu vas paraître pour menteur.
Il dit, ah, tu as raison. Et la foi de Néné lui a dit, mais l'information que tu as donnée là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça a été prouvé? Il dit, mais c'est menteur, mais oui, tu allais comporter le mensonge avec lui. Peut-être c'est pour t'essayer, pour voir ce que tu allais dire, pour qu'il parte avec ce que tu as dit. Un jour, quelqu'un m'a écrit un message. On a vu Frère Franck mourir. Il dit, mais et puis après? Il dit, pour moi, c'est un désastre. Ça, c'est un désastre au milieu du message. Déjà, mais on a beaucoup trop de problèmes. Si aujourd'hui n'est pas là, ça c'est grave. Et puis, donne-moi la liste. Tu dis que tu n'es pas seul. Donne-moi la liste de ceux qui ont fait le son. Il a disparu. Il a disparu du radar. Il n'a plus écrit. Vous voyez comment les gens sont menteurs, trompeurs. Ils tendent des pièges aux hommes. Pensant pouvoir attraper des hommes. Donc faites attention. Les gens ne savent pas que tout ce que nous sommes là, Dieu le sait. Faites attention. Dans ce message aujourd'hui, faites attention. Il y a trop de menteurs. On prétend croire, mais on n'est pas croyant. Puisqu'on ne peut pas prouver que la vie de celui qui sauve là est à nous. Alors Ananias et Saphira sont arrivés. Le mari est arrivé le premier. Venez à le paquet pour dire à Pierre, voilà ce qu'on a vendu notre bien. Voilà le résultat de notre bien. Pierre est avec lui là-bas? Non. Mais l'Esprit de Dieu qui est en Pierre, amen. L'Esprit de Dieu qui est dans Pierre là, était là-bas. Alors Pierre dit, mais c'est vraiment le prix auquel vous avez vendu ce bien-là? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu peux mentir au Saint-Esprit? Tu penses que quand tu étais là, Dieu n'était pas là? Boum, la mort l'a attrapé. Il est parti. C'est pas aujourd'hui où on a des smartphones. Dès qu'une information arrive, en même temps, on va envoyer ça sur YouTube, sur WhatsApp, sur n'importe quoi, sur Facebook, le monde entier. Oui, tu perds quelqu'un, tu n'es pas encore informé. Fais pas attention, c'est sur WhatsApp, on va t'envoyer des messages tout de suite. Yako, courage, condoléances. Alors tu ne sais même pas que quelqu'un est décédé. En leur temps, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il faut que quelqu'un se déplace pour être informé. Les jeunes gens ont pris l'homme. Ça va être difficile. Hein. Si c'était à notre temps aujourd'hui, quelqu'un va mourir. On ne va pas informer ses parents avant de l'enterrer. En ce temps-là, on n'a pas eu à informer qui que ce soit. On l'a pris et il a été enterré. Sa femme même n'a pas été informée. Même sa femme. Et quelques instants après, la voilà qui arrive fièrement, tranquille, vient au milieu des frères et soeurs pour adorer. Et elle vient pour communier avec les frères, pensant pouvoir trouver son mari vivant. Quand elle arrive, Pierre l'aborde directement. Dis, Saphira, à combien avez-vous vendu le champ là? Elle est dans le même prix que son mari et elle ont conclu dans la maison. Sœur, ne suis pas le mauvais conseil de ton mari. Frère, ne suis pas la mauvaise manière de faire ta femme. Ça va vous coûter très cher. Frère et sœur, écoutez bien. Supposons que Dieu ne soit pas là. Ananias, ça fait des menteurs, serait au mieux de ceux qui sont saints. Voilà pourquoi le matin, j'ai dit, l'église doit être restaurée. Amen. Pour que le fond ne demeure pas là. Amen. Pour que ce qui est vil ne soit pas là pour entacher les autres. L'église doit être entièrement restaurée. Dieu doit se manifester au milieu de l'église. C'est son église. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est son église à lui. Vous comprenez? Frères, nous sommes à la restauration de la vie individuelle, de la vie du couple et de la vie de la famille. Allons doucement, doucement. Je sais qu'on est pressé, allons doucement, doucement. Ananias, Saphira arrive, Pierre l'aborde tranquillement avec le même sujet. Et elle raconte le même mensonge qu'ils ont conçu, elle et son mari. Et la sentence doit être forte. Hein. Les jeunes gens qui ont emporté ton mari là, les voici devant la porte. Toi aussi. Frère, regardez bien. Un homme et sa femme,
qui certainement ont prétendu avoir cru. On dit à tout le monde qu'ils ont cru. Et là voilà, le même jour, à quelques heures de différence, les deux partent où ? Au ciel. Aucun menteur ne va au ciel. Frère, c'est pour ça que vous devez faire attention. Si hier, les menteurs sont morts pour avoir menti, aujourd'hui, les menteurs n'iront pas au ciel. Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Si Dieu a frappé instantanément deux personnes parce qu'ils ont menti, ne pensez pas qu'aujourd'hui, si vous mentez, vous serez épargné. Si vous êtes épargné, si vous vivez, c'est que Dieu n'est pas présent en ce lieu-là. Parce que sinon, vous devez être dévoilé. Vous devez être mis à nu. Bien-aimés frères, c'est le temps de la restauration. Les deux sont partis. Et ici, il est écrit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à votre corps mortel, à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » C'est l'esprit qui habite en vous qui rendra la vie à votre corps. Mais il faut qu'il habite en vous d'abord. La restauration doit se faire pour chacun de nous. Nous devons participer au baptême du Saint-Esprit. Nous devons demander au Seigneur de nous visiter pour que la promesse là, nous, ça ne soit plus une promesse, ça soit une réalité. Ne restons plus aux promesses. Dépassons ce cadre, frère. Restons là. Vous savez, les enfants, quand vous faites une promesse à un enfant, aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu ce qu'il a demandé, il ne vous laissera pas en paix. Hein. C'est vous qui avez dit, avez promis. Donc quand il promet, comme les gens disent, une promesse c'est une dette, Dieu a promis, il dit, si vous qui êtes des hommes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous ne leur donnez pas des scorpions, ni des serpents, comment lui qui est le Dieu bon, refusera-t-il de donner ce qui est bon à ceux qui crient à lui jour et nuit? C'est que, frères et sœurs, si on est à ce stade qu'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore crié au Seigneur jour et nuit comme il le veut. On ne l'a pas encore importuné. Il nous a pris l'exemple de ce juge unique qui dit, quoique je ne craigne pas Dieu, et qu'il n'ait de gars pour personne, mais pour ne pas que cette femme vienne me rompre la tête tous les jours, mais je lui rends justice de sa part adverse. Comment ça va me laisser en paix? Mais allons jusqu'à ce que le juge dit, mais je vais répondre à la prière de mes enfants là pour que j'aie du repos. Si on ne l'a pas encore reçu, c'est qu'on ne l'a pas encore importuné, notre Dieu. C'est lui qui a dit, hein. Vous savez que, un jour j'ai parlé de ça, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ce que Dieu dit, il veille sur cela pour l'accomplir. Il a dit ça à Jérémie, non? Il dit, moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc est-ce que le Seigneur ne veille pas sur cette parole qu'il a déclarée pour l'accomplir? C'est qu'on n'est pas encore au stade où le Seigneur nous le donne. Alors, réveillons-nous. Nous tous, nous devons nous réveiller. Pour dire, mais on n'est pas encore au stade où Dieu doit nous répondre. Dieu doit, j'emploie le mot. On n'est pas arrivé au stade où Dieu se doit de nous répondre. Parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Mais allons-y, frères et sœurs. Savons-nous quand il va venir? Non. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Savons-nous quand nous allons partir? Non. Alors, pourquoi on ne profite pas de ce temps-là? Pour l'importuner jusqu'à ce que les choses deviennent une réalité pour nous. Bien-aimés. Aujourd'hui, c'est une journée de, non pas de déclaration, de preuve. Bien-aimés, quand il est ressuscité, comme j'ai dit ce matin, il a donné les mêmes avantages à tous les croyants, à tous les véritables croyants. Il a donné la même puissance à tous les véritables croyants. C'est vrai. J'ai noté quelque chose sans le regarder. S'il a donné la puissance aux apôtres et aux disciples du premier âge, l'a-t-il retiré? Si cela, la promesse n'a pas été retirée, c'est qu'elle demeure pour vous aussi. Mais pourquoi ne rentrons-nous pas en possession de la puissance et de toutes les promesses, de tous les avantages? Pourquoi? Pourquoi chacun de nous ne rentre pas en possession
des avantages liés à la résurrection. Quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, il n'y a aucun autre pouvoir nulle part ailleurs. Il n'y en a plus de pouvoir ailleurs. Le Satan sait qu'il a été dépouillé de toute sa puissance. Quelqu'un dit, mes frères, on tombe encore malade, non? Oui, ça, c'est la conséquence du péché. Depuis Adam, un jour viendra où notre corps sera racheté. On a la rédemption de notre corps. Pour le moment, notre âme a été rachetée. Tout est net. Celui qui est sauvé, il est sauvé. Son âme est sauvée. On ne peut pas faire autrement. C'est faux. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne va pas tomber malade. L'apôtre Paul, même qui était le grand Paul, il avait une maladie dans son corps. Il a même laissé un jour l'un de ses collaborateurs malade à Éphèse. Quand j'ai lu ça, il dit, on ne te comprendra pas toujours. Hein. Le grand Paul. C'est pour ça que Paul pourrait dire que Démas l'a abandonné. Et m'a donné peut-être le génie, mais dès que la puissance de Paul est finie, ce grand Paul-là, jusqu'à Alexandre même l'a fatigué. Et puis il dit à Timothée, il faut faire attention à lui. Hein. Il m'a causé beaucoup d'ennuis. Dieu le lui rendra, mais il faut l'éviter. On pourrait dire, mais pourquoi Paul l'a pas frappé d'aveuglement comme ça, reste tranquille. On pense qu'on doit toujours frapper les gens dans n'importe quel sens comme on veut. Non, non, non. Ce n'est pas toujours comme ça. Les choses se font sur la volonté de Dieu. C'est tout. Paul ne peut pas faire ça parce qu'il veut. Il le fait parce qu'il est conduit par l'Esprit à le faire. Et donc, il a laissé son camarade, son compagnon de service malade. Paul laisse quelqu'un malade. Et puis, il me dit à Timothée, à cause de tes troubles fréquents de ventre là, fais usage d'un peu de vin. Vous voyez, non? Parce que ce n'est pas Paul. C'est l'Esprit qui est en Paul qui fait ce travail. Et c'est vrai. Mais il faut que cet Esprit aussi habite en nous. La promesse existe. Elle est encore valable. Dieu ne l'a pas relevé, ne l'a pas enlevé. Donc, nous aussi, nous devons pouvoir entrer en possession. Frère, si au cours de tous les âges, chaque groupe l'a eu, nous qui sommes à la fin, frère, nous attendons de grandes choses. C'est vrai. On attend le grand réveil, c'est vrai. On a de grandes connaissances. Mais les grands réveils, là, on peut ne pas y arriver. Quelqu'un dit, la fois qu'on priait, dit, mais se fait du vide autour de nous. Mais c'est vrai. Se fait du vide. Hein. Chaque année, il y a une, il y a deux personnes qui partent. Chaque année, il y a deux, trois personnes qui partent. Le vide se fait autour de nous. Demain, ça peut être notre tour. Mais comment serons-nous partis? À quel stade serons-nous? Donc, si le Seigneur a donné, quand il est ressuscité, tous les avantages de la résurrection, il a donné, on peut dire, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est-à-dire individuel, non? Autant pour l'Église que pour les individus. Voilà les dons que je leur donne. Le matin, on l'a lu. Il a donné ceci à chacun, à chacun, à chacun, n'est-ce pas? Mais le même esprit. Autant l'Église doit se réveiller, mais autant nous également. Parce que c'est les individus que Dieu utilise. Quand on dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Mais c'est un individu. Il le donne. De même que celui-là a le don de guérison, l'autre a le don de parler la langue, le don de connaissance, le don de discernement de l'esprit. Oui, mais c'est à des individus qu'il donne. À des hommes convertis. À des hommes qui le connaissent, qui sont consacrés, dont la vie est consacrée à lui. Alors nous devons nous faire des reproches pour dire, mais si les autres ont que nous, nous n'avons pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne sommes pas arrivés là, frère. N'est-ce pas? On a qu'à avancer un peu. Bien-aimés frères, le temps arrivé, nous devons nous arrêter pour dire, Seigneur, jusqu'à quand l'Esprit qui a reçu Jésus-Christ habitera-t-il en nous? Posons-nous la question. Seigneur, jusqu'à quand l'Esprit qui a reçu Christ là, dans les morts là, jusqu'à quand tu le feras habiter en nous, afin qu'il rende la vie à mon corps mortel? Non plus à nous, hein, à mon corps mortel. Chacun doit s'approprier ça. Dis, c'est moi qui suis concerné. Frère, c'est toi qui es concerné. Ma soeur, c'est toi qui es concerné. C'est pas nous, mais c'est toi. C'est à titre individuel que ça se pose.
Si tu dis nous, que l'autre a et que toi tu l'as pas, ton nous va rester. Hein. Faut que ça soit toi, que ça soit moi. S'il doit y avoir une seule personne qui doit l'avoir, je veux que ça soit moi, premièrement. Mais comme la promesse n'est pas pour une personne, c'est pour tous ceux qui croient en lui, alors montrez que vous croyez vraiment en lui. Il a testé la foi d'Abraham dans le sceau de la circoncision. Frère, le jour où votre foi va être attestée et confirmée par Dieu, alors vous saurez ce que c'est. Il faut qu'il confirme notre foi. Il faut qu'on prouve, on lui montre jusqu'à ce qu'il prouve qu'il accepte notre foi. C'est alors que nous aurons le sceau de la circoncision. C'est ça la circoncision de notre cœur. Avant, c'était quelque chose de physique. Maintenant, c'est spirituel. On peut lire encore quelque chose d'autre. J'ai pris quelques versets, on va le lire encore. Allons dans 1 Corinthiens 6. On a lu le matin, non? 2 Éphésiens 1, 11, 12 alors. Prenons Éphésiens 1, versets 11 et 12. Je crois que le matin, on a dû lire ça aussi, si je ne me trompe pas. On va le lire. Éphésiens chapitre 1, versets 11 et versets 12. En lui, ça on l'a pas lu le matin. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Quand? Avant la fondation du monde. Oh là là, c'est merveilleux, frère. Vous comprenez? Qui comprend? En lui, nous sommes devenus héritiers. L'héritage est pour nous. Qu'est-ce qui est dans l'héritage, frère? Si on poursuit, au verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Avant, c'était une promesse. Maintenant, ça doit être une réalité. Parce qu'il dit, si vous avez reçu l'évangile de votre salut, alors vous avez cru. À ceux qui croient, est donné le Saint-Esprit. Où est notre foi, alors, frère? On ne peut pas faire mentir la Bible. Croyons pour que cela devienne une réalité. Parce que frère, le Seigneur ne viendra pas sceller quoi que ce soit d'autre si ce n'est que sa parole. Si on a reçu sa parole dans notre cœur, qu'on l'a gardée précieusement là, il viendra la sceller. Parce que s'il était clair, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et, conjonction de coordination, vous avez été scellés. Par le Saint-Esprit. Regardez bien le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise pour célébrer sa gloire. C'est le gage de notre rédemption. Le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui. Je ne voulais pas dire de ceux qui. J'ai dit la rédemption de nous qui. Ah oui? Quand on dit ceux qui, c'est de l'autre côté. Mais je veux que ce soit nous qui. Amen. Dieu nous a acquis pour servir sa gloire. Es-tu aussi acquis pour servir sa gloire? Si c'est le cas, dis oui et alors, on doit le prouver. Aujourd'hui, je ne parle que de preuves. Je ne parle pas de la déclaration. Ça va être dû pour tout le monde. Oh là là, quelqu'un dira, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le message, ça ne veut rien dire. Ça fait 50 ans que je suis dans le message, ça ne veut rien dire. Tu peux être un simple corbeau dans le message. Tu peux être un simple poulet dans le message. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être. Si les choses auront changé, tout le monde aura vu, les gens auront vu que les gens ont changé chez toi.
Tout c'est vrai. J'ai 5 ans, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Regardez chez quoi. On va arriver tout à l'heure chez Corneille. Il y a quelque chose qui m'a impressionné quand j'ai relu chez Corneille. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Et c'est ce qui fait que ça nous permet de parler en même temps de famille ou de maison. Et c'est vrai. Vous qui écoutez en ligne, que Dieu vous bénisse. Mais sachez une chose, comme j'ai dit le matin, si vous n'étiez pas là, ça ne vous servait à rien d'écouter en ligne quand vous n'avez pas fait un choix. Si vous êtes habillé que vous écoutez en ligne, là, vous ne serez pas béni du tout. Vous devez choisir. Je prie Dieu pour qu'il ne vous bénisse pas. Parce que vous ne savez pas choisir. Les fils de Dieu sont connus par l'Esprit de Dieu. Qui est fils de Dieu, il doit être connu par l'Esprit de Dieu. Frère, Dieu conduit tout dans la vie. Pourquoi vous écoutez ce qui est faux? Pourquoi vous écoutez un homme qui est faux? Vous n'avez pas le discernement? Si vous écoutez ce qui n'est pas faux, alors prenez une décision. Vous devez prendre une décision. Vous écoutez, ou bien vous écoutez pour chercher à relever quelques petits détails qui sont un peu difficiles à comprendre, mais faites-le. Ça sert pour votre perdition, ouais. Et si vous n'écoutez, vous ne recevez rien du tout qui peut vous donner le temps de moudre quelques grains, ça sera difficile pour vous, hein, frère. Prenez une décision. Comme je parlais ce week-end avec l'une de mes filles, il dit, papa, on prie pour que tu viennes. Je dis, depuis quand tu pries? Il dit, ça fait longtemps que je prie. Et puis, le Seigneur ne t'exauce pas. Il faut arrêter de prier comme ça. L'Esprit de Dieu conduit ses enfants. Amen. Depuis pour ta vie, tu pries. Et Dieu ne t'exauce pas. Tu ne dois pas craindre. Il faut t'arrêter. Demande plutôt, est-ce qu'il est dans l'erreur ou dans la vérité? S'il n'était pas dans la vérité, il ne l'aurait pas écouté. Vous savez, je parlais avec le frère Yapi. Il dit, mais là, j'avais mes verres. En 82, Bakari et leur groupe sont partis de l'église. Il n'y a pas eu de problème. En 84, Jérémie et son groupe sont partis. Il y a eu beaucoup de démarches jusqu'en 94. Dieu a utilisé Badou et moi, nous sommes partis. Et puis il y a la réconciliation. Quand Jérémie est venu, il est reparti. Il n'y a pas eu de problème. Plus tard, beaucoup sont partis avec Stanislas. Il n'y a pas eu de problème. Personne n'est pas allé les chercher. Après, c'est un bras qui est parti. Il n'y a pas eu de problème. Et puis après, Anoma lui avec l'eau. Ils sont partis aussi, non? Personne n'est pas allé les chercher. Il n'y a pas eu de problème. Mais pourquoi on court après un vermisseau comme moi? Pourquoi on me cherche dans tous les lits? Ou même dans tous les greniers? Vous passez le temps à chercher une aiguille dans un grenier, mais vous prenez votre temps. Vous dites que c'est un faux. Vous dites qu'il a été maudit par Frère Franck. Oui, je sais de quoi il parle. Puisqu'il a un esprit antichrist. Vous dites qu'il est contre Franck. Mais pourquoi vous l'écoutez même? Qu'est-ce que vous cherchez avec ça? Fermez vos comptes. Et puis quittez. Je parle à ceux qui sont autour ici. Hein. Et puis ceux qui sont à l'étranger, loin, qui ne peuvent pas venir m'écouter là. Ça y est, je parle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez à écouter un homme qui n'est pas. Alors j'ai dit à ma fille, où tu veux que j'aille? Il dit, mais on veut que tu viennes. J'ai dit, mais est-ce qu'un mauvais peut aller parmi les saints? Un pécheur peut aller parmi les saints? Vous êtes des saints? Vous êtes des justes? N'est-ce pas? Alors vous voulez quelqu'un de souillé parmi vous? Pour vous souiller? Elle me regarde. Elle dit, non, papa, nous, on sait que tu es ministère. Elle dit, ah, il a un ministère. Ah, c'est grave, ça. Hein? S'il a un ministère, c'est qu'on doit aller là où il prêche. Même s'il a un ministère, et que tu reconnais un ministère, viens t'asseoir pour écouter. Sinon, tous les vendredis, au lieu que tu restes à la maison,
je parle à ma fille, tous les vendredis, c'est pas vous je parle, hein. Vous qui êtes là, c'est pas vous je parle, je parle à ma fille. Je vous raconte ce que j'ai dit à ma fille. Tous les vendredis soir, vous avez une voiture, non, toi, ton mari, vous prenez votre voiture, vous partez à Sikensi, vous partez à M. Sokro, vous faites votre culte, et puis dimanche, vous rentrez. Comme ça, vous avez un lieu de culte. Je ne dis pas que quand vous allez mourir, vous voulez les gens vous enterrer. Hein. Mais la Bible dit que c'est les chrétiens qui enterrent les chrétiens. Donc, allez quelque part où si vous mourrez avant le temps, là, les chrétiens vous enterrent. C'est biblique, non? De toute façon, nous ne sommes pas immortels, nous sommes mortels pour le moment. L'immortalité viendra après. Mais nous sommes mortels actuellement. On ne va pas à l'église pour un enterrement. Mais si on meurt, il faut qu'on nous enterre. Or, les frères doivent venir veiller pour annoncer l'évangile aux parents. Donc, ne restez pas seulement à la maison. Et puis, de Dieu, la Bible dit que si vous avez un problème, appelez les anciens pour qu'ils prient pour vous, même s'il n'y a pas d'anciens en Côte d'Ivoire, comme le dit la Bible. Vous devez appeler quelqu'un pour prier pour vous. Mais si vous êtes à la maison, qu'on ne sait pas où vous êtes, vous allez appeler qui? Quand vous allez appeler, on dit, mais vous êtes chez Badi? Vous allez appeler Badi, on dit, mais Badi, je ne vous vois pas aussi. Quoi que vous m'appelez, je vais venir prier pour vous, ça c'est vrai. Je n'ai même rien dit, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne position que vous avez prise. Bon, continuons. Portez-moi, laissez-moi porter mes veilles, continuez. Donc, en prenant Éphésiens chapitre 1, le verset, depuis le verset 11, en lui nous sommes devenus héritiers. Frère, est-ce que nous pouvons montrer notre certificat d'héritage? Vous avez quand quelqu'un dit, moi je suis propriétaire d'un terrain, il doit pouvoir monter son accès d'aujourd'hui et son titre foncier. Parce que s'il y a un litige qui va au tribunal, ça passe, non je suis propriétaire, non, ça passe, les juges ne regardent pas ça. Il dit, mais donnez votre document qui prouve que vous êtes le propriétaire de ce terrain-là. Celui qui apportera la preuve qu'il est, on lui a délivré un certificat de propriété, c'est à lui que revenait le terrain. Les juifs vont faire l'ordonnance et tout le... Comment j'appelle ça? Toute l'ordonnance avec la grosse tout pour dire que c'est à lui que ça appartient. Mais frère, ici il est écrit, en lui nous sommes devenus héritiers. Où est ton certificat d'héritage? Pouvez-vous montrer votre certificat d'héritage? Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé d'apporter la preuve que tu es héritier. Parce que si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer dans l'héritage, frère. Et pour rentrer dans l'héritage, il faut que tu sois mûr, tu sois accepté, tu sois prouvé. Que Christ prouve que toi, il t'a accepté comme héritier. C'est pas en déclarant. Le matin, on a parlé un peu de Daniel Caru. Quand il est arrivé, Christ a dit, le Seigneur a dit, comme il a pris position pour moi, je prends position pour lui. Mais maintenant, avant que cela n'arrive, maintenant, si tu dis, si tu lis ce passage, dis, en lui, maintenant je vais rendre ça plus simple pour moi et pour chacun de vous. Que, alors, je le lis et puis chacun de vous va aussi le lire pour lui. En lui, je suis devenu héritier, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qui veut le lire aussi pour lui? Il faut le lire. Mais en le lisant, tu dois prouver que toi, tu es devenu héritier. Lis. Demain, ton mari est à côté ici. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ton mari est vivant. Et si demain il meurt, devant tous les hommes, tu dois apporter la preuve que vous êtes marié, que tu peux hériter de ton mari. C'est faux? C'est pas faux, non? Non, alors lis ça pour toi. Non, bah, nous sommes. Ha, voilà. Maintenant, ça, on a lu. Ça, c'est une lecture. Ça, n'importe qui peut le lire comme ça. Quiconque a été à l'école, qui sait lire, peut le lire. C'est vrai, non? Maintenant, on doit passer au stade où on apporte la preuve qu'on est héritier. Pour être héritier, il faut avoir l'esprit de Christ en toi. Parce que si on ne lui appartient pas, ses biens ne t'appartiennent pas.
Prends ce cas, va avec Romains chapitre 8. Pour que tu sois héritière ou que tu sois héritier, nous devons être en lui, ayant reçu de lui son esprit. Alors il peut dire, ceux-ci m'appartiennent. Et moi je peux dire également, oui je lui appartiens, parce que je peux déclarer que l'esprit de Christ habite en moi. Il apporte la preuve, frère, que je lui appartiens. Voilà où on en est aujourd'hui, frère et soeur. Bien-aimé, quiconque a été à l'école peut le lire comme je suis en train de lire, comme tu l'as lu aussi. Quelqu'un d'autre peut se lever pour lire la même chose. Mais ça ne fait pas de toi, ni de moi. Pour qu'on y soit, il faut qu'on soit capable de dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je porte les fruits qui prouvent qu'il est en moi. Je sois plein d'amour, de douceur, de patience, de bienveillance, de tempérance. Et qu'à chaque saison, il y ait le fruit qui accompagne. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas des dons. Parce que les dons, les imitateurs peuvent imiter les dons. Je parle du fruit maintenant. Quelque chose doit prouver que nous sommes différents. Frère, si le premier âge, parce que le message a pour objectif de nous retourner à la parole de Dieu et à la parole de la foi de nos pères apostoliques. On est d'accord? Si on doit donner la foi de nos pères apostoliques, ce qu'ils ont vécu, nous devons le vivre aussi. Si nous avons la même foi que, parce que leur foi, on produit des œuvres, notre foi doit produire des œuvres. C'est pourquoi Frère Bernard a dit, quoi? Les œuvres sont l'expression de votre foi. Ce que vous vivez prouve qui vous êtes. Ce que vous produisez prouve ce que vous avez. Qu'est-ce que nous produisons? C'est le temps, frère. Oublions que nous sommes au message. Le message nous dit, retenez la parole de Dieu. Vivez comme l'apôtre Paul a vécu, vivez comme Jean a vécu, vivez comme David a vécu. Frère, voilà ce que le message dit. Mais je suis dans le message. Pendant 40 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 60 ans, même pendant 2 jours. Ça ne veut rien dire. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, frère, tu es un messagiste. Tu as créé un autre isme. C'est ce que tu crées. C'est tout. La vie qui est dans le message n'est pas en toi. Dieu a confié ce message par des signes, par des miracles, par des guérisons, par des résurrections. C'est faux. Sinon, on n'aurait pas cru que ça vient de Dieu. Alors, prouvons que ce message-là, il habite en nous. Que les fruits du message soient en nous. Que nous l'avons reçu et que ça produit en nous la vie qui est en Christ. Voilà où nous devons arriver aujourd'hui. Le temps se fait rapide. Le temps court, frère. J'aurais pu lire beaucoup de choses dans le lever du soleil, mais lisez le lever du soleil. Je ne vais pas vous perdre du temps. Je veux qu'on aille un peu plus rapidement. J'ai encore quelques versets, il y a encore beaucoup de versets. J'ai au moins combien? 8 à 9 versets qu'on... Je veux qu'on regarde. Maintenant, regardez un peu dans les foyers. Je vous ai dit que le Seigneur, il n'a pas laissé une seule partie de notre vie tranquille. Au point, il a donné à l'apôtre Paul d'écrire des choses qui concernent notre maison. Allons dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Mais je voulais qu'on lise d'abord Colossiens 3. Avant de revenir, lisons d'abord Colossiens 3. Colossiens 3. On va le verset 18. Au verset 25. Colossiens 3. 18 à 25. Ce matin, quand je disais se passait quelque chose, ma tête m'a frappé. Regardez bien. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme cela se doit selon le Seigneur. J'ai pris la traduction de Ostéval.
Ostéval comme ou bien de Saint-Martin. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme cela se doit selon le Seigneur. Femme, tu dois être soumise à son mari comme cela doit être. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur, voilà, il faut que tu sois soumise entièrement à ton mari. Non pas que lui te le demande, mais la Bible dit que tu dois être soumise à ton mari. Et je me suis rendu compte que partout où on parle de foyer, quand vous prenez Éphésiens 5, 22, est-ce que c'est ça que je voulais lire? Prenez Éphésiens 5, 22. Vous allez vous rendre compte d'une chose également. Prenez Éphésiens 5, 22. Vous connaissez bien ce passage. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Comme on peut être soumis au Seigneur, ainsi la femme doit l'être à l'égard de son mari. Allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, qu'est-ce que je cherche? Je vous le dis tout de suite. 1 Pierre chapitre 3. Voilà, verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Pourquoi quand on parle du foyer, on arrive là, au niveau de couple, pourquoi Pierre et Paul ont toujours interpellé d'abord la femme? Vous ne voyez pas? Éphésiens 5, Colossiens 3, 1 Pierre 3. Parlant du couple, d'abord la femme. Pourquoi? C'est la femme qui est interpellée premièrement. De même que l'Église doit être soumise à Christ. C'est à l'Église qu'on demande d'être soumise à Christ. Avant qu'on dise à l'homme, aime ta femme comme toi-même. Mais on dit à la femme, d'abord toi, sois soumise. Alors le matin quand je dis, mais est-ce pas parce que c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden là? C'est pas ça qui a poussé ces auteurs de la Bible à ramener les choses comme... Regardez, quand vous regardez dans Genèse 3, mal dans Genèse 3, allez voir. Là-bas également, avant que Dieu ne parle au niveau des instructions précises à l'homme, après avoir maudit le serpent, il n'a pas parlé à l'homme, hein. Il a d'abord parlé à la femme. Regardez. Genèse chapitre 3. Quand vous prenez le verset 12, le verset 13, le verset 14, jusqu'au verset 15, il finit avec le serpent. Et puis maintenant, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Du coup, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, revenant là, nous disent, femme, de même que Ève s'est pas soumise auparavant à son mari et qu'elle a amené le péché dans la maison, vous, faites attention. Soyez soumise à vos maris. Que chacune d'entre vous, comme vous devez être soumis au Seigneur, faites-le à l'égard de vos maris. Et quelque part, quelqu'un dit, c'est la femme qui construit un foyer. Je crois que j'ai lu noter quelque chose comme ça. Je l'ai levé tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai noté ici. Dans le livre de Proverbes, j'ai lu noter quelque chose. Mais c'est pas. Ah, regarde dans Proverbes 14. Regarde Proverbes 14, verset 1. Si je ne me trompe pas, regardez Proverbes 14, verset 1. Je sais que ça devient un peu lourd pour vous, non, c'est ça? Tout le monde est calme. La femme sage bâtit sa maison. Donc c'est vous qui devez bâtir votre maison. Si vous ne bâtissez pas votre maison, l'insensé, la prostituée vient la renverser. Bâtissez votre maison. Hein.
On dirait qu'elles ne sont pas d'accord. Hein. Amen. Maintenant, elle m'a dit, tu n'es pas d'accord pour bâtir ta maison aussi. Femme, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Évitez que la femme insensée vienne renverser votre maison. Bâtissez-la. Restez sous l'autorité de votre mari. Marchez avec. C'est pour ça que la propre femme dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut la trouver? La femme qui est vertueuse, la femme qui est courageuse, la femme qui se soumet, qui peut la trouver? La femme qui honore son mari, qui peut la trouver? Salomon sait pourquoi elle a posé la question. Et Salomon dit aux femmes, bâtissez votre maison, construisez-la, fondez-la bien, ne laissez pas l'insensé venir la renverser. Comprenez? Le temps est arrivé, frères et sœurs, que nos foyers soient fondés sur Christ. Avant de dire à l'homme, aime ta femme, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre disent, femme, comme au Seigneur, soyez soumis à vos maris. Que chaque femme soit soumise à son mari. Vos maris ne vous demandent pas de vous soumettre à eux. Hein. C'est la Bible qui vous le demande. Voulez-vous la paix avec Dieu? Faites ce que la Bible vous demande. Voulez-vous être honoré? Frère, comment voulez-vous avoir le Saint-Esprit si vous ne pouvez pas être soumis à votre mari? Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu... Ce que l'Esprit déclare là, il est attaché à ça. Hein. Ce que l'Esprit a déclaré, il est attaché à ça. Il dit, femme, sois soumise à ton mari. Comment veux-tu avoir le secret se trouve quelque part là. Tu laisses ça comme ça. Laisse. Allume les deux autres. Non, tu as éteint un. Allume les autres ici. Non, ça va maintenant. Laisse ça comme ça. Si la parole de Dieu demeure la parole de Dieu, et que le Seigneur veille pour accomplir sa parole, si chaque parole l'accomplit, notez bien que le temps est arrivé. Si une femme dit qu'elle veut avoir le Saint-Esprit, ce passage aussi lui incombe. Ça fait partie. C'est pour ça que l'apôtre Pierre pouvait dire aux autres, lui encore une Pierre dit, femme, que chacun soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Comme le matin, je disais, frère, comme ce soir, nous sommes permanemment en présence de Dieu. Nos pensées sont devant lui. Rien n'est caché devant lui. Celui à qui nous allons rendre compte, nous sommes nus à découvert, frère. Fais attention. Et l'apôtre Pierre va qu'on ait dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumises à leur mari, c'est comme ça qu'elles se conduisaient. L'apôtre Pierre vous donne déjà le modèle de foyer que vous devez avoir. Lisez ce passage et méditez-le tranquillement. Pierre vous dit, voulez-vous avoir le Saint-Esprit? Voilà les saintes femmes d'autrefois. Elles sont saintes. Elles ont vécu de sainteté, conduites par l'Esprit de Dieu. Voilà comment elles se sont conduites. Vous, les femmes d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre dit à son elle dit, je vous parle, je vous écris cela. Parce que dans peu de temps, je vais partir. Le Seigneur me l'a fait connaître déjà. Mais écoutez-moi bien, femmes, voilà ce dont se paraît les femmes d'autrefois qui ont fait profession de servir Dieu. Elles espéraient. C'est comme ça qu'ils sont connus. Vous également, si vous voulez leur ressembler, vous voulez voir ce qu'elles ont reçu, vous devez leur ressembler en les imitant. N'est-ce pas? Et il est parti au plus haut. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues des filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Au stade aujourd'hui, on a l'égalité de la femme.
Je suis persuadé que si d'autres femmes vous voient faire comme ça, on va dire, mais toi, tu es d'une rétrograde. Au moment où aujourd'hui on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, vous laissez les hommes encore vous marcher dessus. Mais un vrai croyant ne marche pas sa femme. Un vrai croyant ne marche pas sa femme. Il reste le maître de la maison, mais ne marche pas sa femme. C'est une aide à lui. En se soumettant, bien au contraire. Vous allez voir ce qu'on va dire tout à l'heure à l'homme. Hein. On va voir tout à l'heure à l'homme. Un homme doit être maître de sa maison, gouverner sa maison, prendre soin de sa maison, s'occuper de sa maison. Regardez bien quand on a dit, allons dans Genèse 3. Regardez bien dans Genèse 3. On n'a pas encore fini. Revenons dans Genèse 3. Vous qui maltraitez vos femmes, vos épouses, vos enfants, revenez un peu dans Genèse 3. Quand il a dit à la femme qu'elle doit rester sous son mari, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il dit à l'homme, maintenant écoutez bien, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sud duquel je t'avais donné l'ordre de cet ordre-là, ne mangeras point, le sort sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira. Est-ce le dit à la femme? Il le dit à la femme? Non. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retournes la poussière. À qui il parle? À l'homme. Est-ce pourquoi le verset, le dernier verset, le 19, ça concerne également la femme? Pourquoi? Parce que la femme a été tirée de l'homme. Si l'homme est poussière et qu'il va dans la poussière, la femme aussi est poussière, elle va dans la poussière puisqu'elle a été tirée de l'homme. C'est faux? Si. Mais quand ça concerne la nourriture, il y a un qui doit la porter. Oui. Le principe qui doit la porter, c'est l'homme. Puis à lui, il dit que c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Quand l'homme trouve à manger, il doit amener à la maison pour que la femme aussi mange. Amen. Il y en a qui aiment aller manger dans les maquis sans donner à manger à leur famille. Ils vont s'asseoir dans les maquis, ils mangent bien, ils arrivent à la maison. Il y a rien à manger? Pourtant, vous savez, nous, on a été élevés par les musulmans. Le musulman, il laisse 500 francs, 1000 francs à sa femme, le soir, il arrive, il mange du poulet, il ne demande pas d'où ça vient. Le chrétien ne fait pas ça. C'est à lui. C'est pour ça que quand vous revenez dans Proverbe 31, les deux sont complémentaires. Hein. La femme bâtit sa maison, et c'est vrai. Mais regarde dans Proverbe 31. Mes frères, je vais dire que les femmes ne doivent pas travailler. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais ça. J'ai dit alors après le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle est tellement vertueuse que son mari ne peut qu'avoir confiance en elle. Maintenant, je vais dire une chose. Qu'est-ce que ceux qui, à notre époque, dans laquelle nous sommes, avec le smartphone, quels sont les hommes qui cachent leur téléphone à leur femme? Vous voyez, Tani, écoutez-moi bien. Là, je parle du foyer qui doit être restauré. Tout doit être rétabli. Si dans une maison, l'homme n'a pas accès au téléphone de sa femme sous prétexte que les choses sont dedans là, sont confidentielles à elle. Et que la femme ne peut pas avoir accès au téléphone de son mari parce que les choses sont sans être confidentielles. Vous êtes tous deux perdus. Vous êtes des païens. Vous n'êtes pas convertis. Qu'est-ce que vous cachez à votre femme? Et qu'est-ce que vous cachez à votre mari dans votre téléphone? Vous effacez vos messages? Rapidement.
je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes gens. Ils n'ont jamais de message dans leur portable. De sorte que quand ils arrivent à la maison, ils peuvent laisser le téléphone, mais ils ont tout effacé auparavant. Mais si je vais demander à Orange ou à Move de sortir vos messages, ils vont les sortir. Vous voulez que je fasse le test? Même si je ne fais pas le test, le ciel le voit. Vous êtes permanemment sous le regard du divin chef. Alors, à qui cachez-vous vos téléphones? Aux femmes ou à votre mari? Mais vous perdez votre temps. Vous êtes un païen. Comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit avec ça? Vous parlez à d'autres femmes la nuit au téléphone? Vous parlez à d'autres hommes le jour au téléphone en l'absence de votre mari? Et vous attendez l'action de Saint, Dieu vous bénisse. Mais c'est ce que vous faites. Oui. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour chacun de nous. Hein. Mes frères, comment voulez-vous que je vienne chanter à gauche déployée à des funérailles des FN alors que vous avez vécu dans la dissimulation tout le temps de votre vie avec votre femme et votre mari? Qui trompez-vous? L'homme ou Dieu? On a plus peur de l'homme que d'avoir peur de Dieu. Qui veut me donner l'autorisation d'appeler Orange? Avec son regard, j'ai écrit comme envoie tous les messages qu'il a passés toute l'année 2022. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. On doit être transparent comme du cristal à la maison. Amen. L'homme et la femme doivent être transparents. Sachez que les enfants vous regardent. Ils vont vous copier demain. Ils vont vous copier demain. Avant que j'ai dit, moi, ma femme a tous mes comptes. Quelqu'un a dit, mais mon cher, faut me donner ton chéquier aussi. J'ai dit, c'est elle qui a mon chéquier. Qu'est-ce que je dois cacher? Si nous sommes un, une même chair, comment pouvons-nous séparer? Vous savez, je vais vous faire rire un peu. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il avait dit que si Gbagbo vient au pouvoir, là, lui va démissionner. Et puis quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a appelé. Ce jour-là, c'est le jour de son malheur. Comme il pensait que Gbagbo savait ce qu'il a dit, il a appelé sa femme. Tous ses comptes, tous ses terrains, toutes ses maisons qui sont restées cachées ce jour-là, il a tout dit à sa femme. Il dit, si je vais plus, il faut lever les enfants avec. Arrivé là-bas, il dit, viens de mon directeur de cabinet. Dans ce qu'il a dit, j'ai tout dévoilé, je suis mort. Ce n'est pas pour mourir. C'est pour... pas pour mettre en prison. C'est pour couper notre poste. Mais j'ai tout dévoilé. Mais elle a besoin de tout savoir de toi. Il est ta femme. Pourquoi veux-tu cacher tout? Tu attends qu'il meure d'abord. Tu attends de mourir avant qu'elle sache quelque chose. Elle va aller se démêler pour savoir quel bien mon mari a. Qu'est-ce que mon mari a? Frère, où allez-vous avec ça? Où allez-vous avec ça? Si vous vous souvenez de cet homme-là qui parlait en langue et l'autre qui interprétait, deux frères Benoît m'a parlé. Supposons que c'était aujourd'hui où le téléphone, sa femme n'aurait jamais eu accès à son téléphone puisqu'il a une autre maîtresse de l'autre côté avec qui il fait des enfants. Sa femme n'aurait jamais eu accès à son téléphone. Aujourd'hui, on nous demande de coder notre téléphone. Donnez vos codes à vos femmes et donnez vos codes à vos maris. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Le jour où c'est dans l'impossible d'avoir accès à votre téléphone, il faut que quelqu'un ait accès à votre téléphone. Pas forcément votre mari,
vous pouvez faire un accident grave sur la route. Et qu'on puisse savoir où on a vu des papiers, et qu'on veut les informations, il faut qu'on puisse avoir ça à votre mari, pour le lui dire. Et si on faisait des codes dedans, quand on ne peut pas avoir accès à aucune information, même sur quoi que ce soit, pourtant il y a des informations précises, précieuses, qui sont sur le téléphone. Ou souvent, on a les numéros de compte, on a ceci, on a cela, on a certains codes qui sont dedans sur le numéro de téléphone. C'est vrai. Mais si demain je tombe, je mets que ma femme n'a pas accès à mon téléphone, comment peut-elle avoir accès aux informations qui sont sur mon téléphone? Dites-moi. Si elle n'a pas accès à mon adresse email, comment elle peut savoir quelles sont les informations qui sont sur mon site email qui sont importants pour la maison? Frère, voulons-nous aller au ciel? Voulons-nous avoir le Saint-Esprit? C'est le moment d'être transparent comme du cristal. Aucun aspect de notre vie n'a échappé au Seigneur. Ici, je continue. Elle lui fait du bien et non du mal. Si elle ne fait pas du mal à son mari ne lui fera pas non plus du mal. Tous les jours de sa vie, 365 jours, sur 365 jours, sur 80 ans, sur 70 ans, sur 60 ans, elle fait du bien à son mari. Elle ne lui fait aucun mal. Elle se procure de la laine et du lin. Tout ça, vous savez ça, non? Ça, on a lu déjà, non? Elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, elle ceint deux fois ses reins. Elle a fermé son bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lame ne s'éteint point. C'est une femme courageuse. Elle est vertueuse. Elle est une aide à son mari. Prenez le cas de Ruth. Vous vous souvenez de Ruth? Qu'elle est venue des pays de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui nourrissait sa belle-mère. De sorte que quand Boaz l'a mariée, on dit qu'elle soit comme qui? Elle soit comme qui? Comme Tamar, qui a mis Pérès au monde par Judas. Vous connaissez Judas, non? Vous connaissez Tamar, non? Vous la connaissez pas? C'est dès que Pérès est né. Là, toute la descendance est venue de là. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. Et de Ruth, vous allez voir d'où est venu. Boaz est venu qu'à David. D'une femme de nation. Non pas d'une juive. Non pas hébreu. Bien-aimés frères, nous sommes au temps où nous devons laisser notre maison être complètement née, restaurée. Nos foyers doivent ressembler au foyer qui était au jour de Paul, de Pierre, de Jean. Frères, nous-mêmes, nous devons vivre comme les croyants qui ont vécu en ce temps-là. Et nos maisons, maintenant, permettez-moi d'avancer, comme je fais déjà un peu, il est déjà 17h, je ne vais pas vous garder longtemps. Allons lire dans Actes 10. On va revenir tout à l'heure dans les épîtres là. Mais allons dans Actes 10. Regarde dans Actes 10. On va parler de verset 1. Notez bien, vous qui suivez. Notez bien, relisez ça dans un esprit de prière après. Les choses dont on parle, écoutez ça bien. Si vous n'avez pas bien compris, envoyez-moi un mot, je vais répondre. Écoutez bien. Je vais lire ce passage au Mali là. C'est très important, écoutez ça très bien. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Quelqu'un qui ne savait pas penser que Corneille n'était qu'avec sa femme et ses enfants. Mais c'est faux.
On va descendre. Au verset 5. L'ange est venu lui parler. Au verset 5, il dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Là, il lui dit, envoie maintenant des hommes à Joppé. Il lui dit pas d'aller lui-même, hein, mais d'envoyer des hommes à Joppé pour faire venir Pierre. Et quand vous descendez, au verset 7, dès que l'ange qui lui avait parlé était parti, Corneille appelait deux de ses enfants. Il appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen. Toute sa maison, y compris même les serviteurs de chez lui, tout le monde était pieux. Tout le monde croyait. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est venu, personne n'a manqué à l'appel. Tous l'ont reçu. Nous devons vivre une vie de telle sorte que, frères, ceux qui vivent chez nous comprennent que Dieu est avec nous. Amen. Ne faisons pas des déclarations seulement, mais notre vie doit prouver que Dieu est avec nous. Ce que Dieu fait dans notre maison doit pouvoir interpeller ceux qui vivent avec nous. Amen. Vous comprenez? Ce matin, je disais, frère, nous devons élever les enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Nous ne sommes pas capables de changer leur cœur, de changer leurs décisions. Mais nous devons les élever comme nous devons les élever. S'ils grandissent sur un détour, Dieu s'occupera d'eux. Aimons-les, prions pour eux, pour que Dieu s'occupe d'eux. C'est important. Marie, aimez vos femmes comme qu'ils aimaient l'Église. Parce que quand on a lu que la femme doit être soumise, ainsi qu'on a lu seulement ce qui concerne la responsabilité de la femme, on n'a pas encore la responsabilité de l'homme. Il faut qu'on regarde la responsabilité de l'homme également. Allons toujours dans Éphésiens chapitre 5 là. Regardons bien dans Éphésiens chapitre 5. À la suite du verset 22. Et puis après on va lire. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et puis au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Oh là là, quelle comparaison! Frère, c'est tellement élevé. On nous demande d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour de Christ pour son Église a fait qu'il est mort pour son Église. L'amour de Christ pour son Église a fait qu'aujourd'hui, ce qu'il a reçu, il a déversé dans son Église. L'amour pour son Église a fait que Christ est parti pour lui préparer une place pour son Église. A fait qu'il vienne la prendre un jour pour aller vivre avec lui. Et la Bible dit, il veut la présenter comme quoi? Une épouse sans tache, ni ride, ni ressemblable. Est-ce que nous sommes prêts à faire ainsi avec nos épouses? Amen. Mon fils, que Dieu te bénisse. Nous devons prendre l'engagement de faire comme ça devant Dieu. Sinon, comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Frère, on ne peut pas déroger à la Bible et s'attendre à recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le temps est venu de crier fort, bien-aimé, si quelqu'un veut avoir le Saint-Esprit, toutes ces choses doivent être vécues par nous. Amen. Autrement, nous ne sommes pas encore sur la route pour le ciel. C'est nous qui prétendons croire. Mais celui qui croit ne peut que vivre ça. Parce que celui qui vit en lui est celui qui a écrit ça. N'est-ce pas? Si l'Esprit de Christ habite en nous, c'est lui qui a fait écrire ça, non? Quand on a lu le matin 1 Pierre, on a lu, on dit l'Esprit de Christ qui est en nous là, c'est lui qui a testé. C'est ça? Donc, si l'Esprit de Christ habite en nous, c'est lui qui a écrit la parole de Dieu. On ne peut pas ne pas vivre ce qu'il a écrit. Mais si on a des difficultés pour vivre ça, c'est parce qu'il n'est pas encore à nous. C'est nous qui prétendons. Frère, allons jusqu'à ce qu'il confirme notre foi. Comme l'on a fait avec Abraham. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la lavant et en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître
devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irréprochable. Nous devons faire de sorte que nos épouses soient irréprochables devant n'importe quelle personne. On n'a rien à lui reprocher. Homme. Nous les hommes. Autant d'être soumises à nous, en toutes choses, autant nous devons faire en sorte qu'elle soit vraiment une femme convoitée. Oui, c'est vrai. Il y en a qui aiment bien s'habiller et aiment voir leur femme en haillons. Et quand ils sont en train de marcher, la femme est derrière, ils sont devant. Pour ne pas que les gens sachent que c'est leur femme. On ne doit pas faire ça. La fin d'année arrive, ils portent des costumes alors que la femme a toujours le même habit. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais chef d'agence au campus, il y avait un jeune professeur qui est rentré dans les problèmes de magouilles, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les prêteurs à gages, là, les prêteurs à usure, pour parler comme ça. Au point, quand tu le vois même arriver, tu ne peux pas passer, c'est un professeur qui enseigne dans un collège. Sa famille, c'était misérable. Parce que c'est ces hommes-là qui détiennent ses cartes et tout. Quand le mois arrive, c'est eux qui vont prendre un peu pour leur donner, pour lui donner. Et ils prennent tout le reste. Ah oui, bien sûr. Moi, ils ont eu des problèmes avec moi. Quand j'étais chef d'agence, ces prêteurs à usure, ils ont eu beaucoup de problèmes avec moi. Ils n'ont jamais été d'accord. J'ai libéré beaucoup de personnes comme ça. Il y a un frère, quand on a fini de payer, le jour où on a fini de payer, le gars lui a dit, toi, tu es sauvé. Tu as de la chance, tu es sauvé. Parce que quand on te donne l'argent, on t'a salué, c'est fini. Tu ne fais rien avec cet argent. Tu ne fais rien avec cet argent. Ah oui. C'est un Aoussa. Il dit, tu ne fais rien avec cet argent. Il y a un, il avait un compte chez moi. Quand vous le voyez là, il est sale. Mais vous allez voir le sac qu'il a à bandoulière là. Tu peux trouver plus de 20 millions dedans. Mais lui-même, quand tu le vois, il est sale. Moi, j'ai fermé son compte chez moi. Dans mon agence, on avait le même compte pour lui au siège. Ah oui. Alors cet homme-là, je l'ai pris. Je l'ai bien savonné. Et puis, j'ai mis un crédit en place. J'ai dit, envoie-moi tes usuriers là. Envoie-les-moi. Ils sont venus. J'ai donné lui sa carte. Il vous doit combien? Voilà mon temps. Tenez. Tiens, toi, ton argent. Moi, je vous croyons. Et puis, quand il a fini, il te salue. J'ai fini de payer. Le reste, il dit, tiens, c'est ton argent. Tiens, va. Va habiller ta femme. Tu habilles tes enfants, tu t'habilles. Si la prochaine fois, tu viens ici, tel que tu es là, tu ne vas pas rentrer ici. Un mois après, je vois le jeune homme venir avec une saérienne, très propre. Sa femme arrive une semaine après, bien habillée. Je lui ai dit, tu n'es pas content de voir ta femme comme ça? De voir tes enfants? Il dit oui. Je lui ai dit, si je te vois encore, elle est magouilla, ou sinon tu es chef d'engin ici, c'est ta femme qui va venir prendre ton salaire. C'est ta femme qui va venir ici, je lui fais le chèque. Tu as fait le chèque, je lui donne l'argent. Et puis toi là, les magouillas vont te prendre pour aller en prison. Oui, frère. Nous devons tenir nos maisons. Est-ce que j'ai dit, vous les chrétiens qui êtes empêtrés dans ce problème-là, comment pouvez-vous vivre une vie chrétienne? Vous devez être chrétien. Et vous êtes empêtrés dans ce problème de magouilla. Pour parler, ça, c'est à l'ivoirien, sinon c'est les prêteurs à usure. C'est les usuriers. Comment un chrétien peut être encore avec les usuriers? Comment peut être? Christ est venu pour vous libérer et vous êtes encore esclaves des hommes. Pour de l'argent. Que Dieu nous aide. Comment pour nous tenir un foyer? Comment pour nous éduquer les enfants? Comment, frère? Réfléchissons. C'est le temps, frère. C'est la restauration. Nous sommes au temps de la restauration. Dites-moi, les apôtres, frère, les apôtres avaient le Saint-Esprit tellement que le bien même, ce qu'ils vont manger, c'est Dieu qui leur donne. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur ça pour nous nourrir? Ils ont oublié d'aller ailleurs. Pourquoi? Avant, je disais, on s'aligne comme des sangsues. Les gens oublient que ceux qui paient la dîme, là, ils travaillent pour payer la dîme.
Et vous venez vous aligner pour prendre ça. Vous n'avez pas de foi. La dîme est une question de foi, frère. Quelqu'un qui a 100 000 francs qui doit enlever 10 000 francs, il n'a 90 000. Supposons que sa maison lui coûte combien, je sais. Mais souvent, quand il va faire ses comptes, ça ne marche pas. Je vous ai parlé la fois dernière de cette jeune sœur-là, notre sœur, qui est à Paris. Je ne vais pas donner son nom, je vais cacher son nom. Et j'ai parlé avec elle, quand on est parti à Paris, elle nous a fait à manger. Alors, on ne savait même pas qu'elle avait des problèmes et tout, on a prié avec elle, elle est venue nous voir deux ou trois fois. C'est ça, non? C'est ça, non? Et puis, on a mis dans ses mines, on a parlé de la dîme, j'ai parlé de la dîme. Souvent, vous parlez des choses que vous ne savez pas, vous ne savez pas pourquoi vous en parlez, mais vous parlez seulement de ça. Et puis, elle s'est rendue compte que, compte tenu de faire moins qu'elle a, elle ne paye pas sa dîme. Et puis là, elle a dit, mais je ne paye pas ma dîme. Donc, je suis une voleuse de Dieu. Il faut que je paye ma dîme. Et quand elle a reçu son argent, elle a calculé toute sa dîme. Et il ne lui reste que 350 euros, alors que sa maison me coûte 450 euros. Il lui manque encore 100 euros. Mais comment va-t-elle faire pour vivre si elle paie la maison? Elle dit, moi, je paie. Seigneur, moi, j'ai été voleuse, je paie ma dîme. Le reste, ça te regarde. Moi, je fais ma part. À toi de faire ta part. Bien-aimé sœur, bien-aimé frère, bien-aimé enfant, la même semaine où elle a calculé l'argent, elle a mis son argent de côté, elle dit, Seigneur, voilà, moi, j'ai fait ma part. Elle n'a pas encore envoyé l'argent. Elle envoie l'argent ici, au milieu de vous. Aladé. Aladé. Il est là, non? Elle est là. Mais tu ne réponds pas. Aladé. Oui, frère. C'est à toi d'envoyer l'argent là, non? C'est ça, non? De France. C'est pas toi? Ah si, voilà. Elle donne le contact. Elle envoie son argent. La même semaine, c'est comment elle va voir. D'abord, on l'appelle pour dire, on a qu'à compter ça qu'on doit te... Il y a une aide qu'on doit te faire de 450 euros. Qui paie déjà la maison. Mais si elle paie la dîme dessus, mais si elle met avec l'autre, ça fait 700, ça fait 800 euros. Mais c'est pas fini. Après, on lui écrit pour dire, tu as ton stage... pour faire tel travail, mais tu as 1500 euros mois. La même semaine, elle m'a appelé, dit, papa, j'étais à Yapi en train de chasser les oiseaux. On était dans un champ de palmiers qu'elle m'a appelé. Elle dit, papa, je ne peux pas m'éteindre, je suis obligé de tout, de partager ça avec toi. Voilà, 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 voilà. Frère, en une semaine, elle reçoit 1950 euros. Pour avoir payé sa dîme. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand on est fidèle, Dieu reste fidèle. Notre Dieu est toujours fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Hein. Donc, c'est toute une question de foi. Regardez bien comment elle a manifesté sa foi. Elle n'a pas d'argent. Mais elle a manifesté sa foi. Elle dit ça là, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Je paye d'abord, le reste, il va s'en occuper. Et c'est vrai. Combien sommes-nous qui ne calculons pas? Oh, on laisse, ça s'accumule. Et puis après, ça devient un problème pour nous. Payons. Autant qu'on veut, payons. Allons de l'avant. Si on est chrétien, frère, il dit, éprouvez-moi pour voir. Est-ce qu'il ne veut pas oublier pour vous les écluses des cieux? Apportez à la maison de Dieu la nourriture. Et c'est vrai. Payez. Frère, nous sommes au temps de la restauration. Tout doit être rétabli. Tout doit être restauré. Notre maison doit être restaurée. Notre vie doit être restaurée. Notre foi doit être restaurée. L'église doit être restaurée. Donc, au verset... Maintenant, si on lit Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1, on peut penser que, oh, notre vie là, c'est pour nous... Non, 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 frère. Autant il parle du couple...
Autant pas de la famille. Enfant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Qui n'est pas encore enfant ici? Moi, je suis enfant. Même si tu as 90 ans, que ton père et ta mère vivent, tu es encore enfant. Parce qu'il va dire, voilà mon enfant. Aussi longtemps que ton papa, ta maman vivent, tu dois les honorer. Tu dois t'occuper d'eux. Tu dois prendre soin d'eux. Tu ne veux pas les laisser dans la misère. Selon tes moyens, prends soin d'eux. Frère, je peux vous parler parce que je l'ai moi-même expérimenté. C'est écrit. Mais il faut passer de ce qui est écrit à la réalité. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour s'occuper de ses parents. Non, frère. Il y en a qui disent, ce que je ne peux pas suivre à ma maison. Frère, calculez. Le Seigneur d'abord. Honore votre père. Et venez en troisième pour vous aller voir. Quand vous avez calculé là, voilà pour le Seigneur, voilà pour vos parents. Et puis le reste, là, vous allez vous débrouiller. Vous allez voir ce que c'est. Dieu qui a dit qu'il va vous bénir, fait ce qu'il vous dit, il va vous bénir. Lui qui a dit qu'il va vous bénir là, fait ce qu'il a dit, il va vous bénir. Mais votre parent, votre papa, votre maman vivent dans la misère de l'autre côté. Et vous êtes heureux de vivre. Vous pensez que Dieu ne voit pas? S'il voit. Prenez soin. Et quand il dit enfant, nos enfants doivent aussi obéir à leurs parents. Demain que nous devons obéir à nos parents, nos enfants doivent nous obéir. Dans notre maison, la classification, il y a le père, il y a la mère, les enfants, c'est faux. Ici, on a parlé du père, on a parlé de la mère, maintenant pas des enfants. Quand on rentre dans la grande famille, papa, maman est vivant, nous on est enfants. C'est faux. Alors, on s'occupe du Seigneur d'abord, le parent, et puis nous on vient. On doit prendre soin de notre maison. En tant que parents, on doit prendre soin de nos maisons. Et regardez ici, enfants, obéissez à vos parents. On demande aux enfants de nous obéir à nous. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dieu nous donne les enfants pour qu'on les élève. Il donne les enfants pour qu'on en prenne soin. Si le demain va nous rendre compte, nos enfants ne doivent pas être des enfants de riz. Non, point du tout. Point du tout. En fonction de nos moyens, nous devons nous occuper de nos enfants. Si on va nous demander des comptes, des frères. Si là, on n'est pas fidèle, un jour, devons demander des comptes. Et ça, c'est vrai. Père, occupez-vous de vos enfants. Mère, occupez-vous de vos enfants. Mais ne laissez pas seulement vos enfants, vos parents. Si vous avez quelque chose, aidez votre mari à élever les enfants. Parents, pères, élevez vos enfants et laissez vos. D'abord, vous êtes des chefs, vous les hommes. C'est vous qui êtes les chefs de foyer. C'est vrai. Vous devez le faire. C'est un impératif. Comment voulez-vous aller au ciel quand vous dérogez à l'obéissance de ce que Dieu a écrit? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne en vous si vous ne faites pas ce que Dieu a écrit? Le Saint-Esprit a dicté sa parole et vous ne voulez pas l'appliquer. Et vous voulez qu'il vienne en vous, il ne viendra jamais, frère. C'est le temps de la restauration. Notre foyer doit être restauré. Donc la pratique de la Bible doit se faire dans nos foyers. Tout à l'heure, on a dit, je connais, non? On dit tous craignaient Dieu. Ils étaient tous pieux. Même les serviteurs dans sa maison craignaient Dieu. Pourquoi? Sa vie a impacté les autres. Il n'est pas un hébreu, hein? Ce n'est pas un juif. Cornel n'est pas un juif. Vous voyez le nom qu'il porte là, non? Frère, que Dieu nous aide. Nous sommes arrivés à un stade où aujourd'hui, le message nous amène à retourner à la parole de Dieu, à l'original, afin de faire comme les premiers. Regardez bien aujourd'hui.
Je vais faire une digression, mais ça fait partie. Regardez aujourd'hui, dans toutes les religions, on peut divorcer et se remarier, divorcer, se marier. Et même on peut divorcer une femme, prendre une autre femme, et une femme qui a été divorcée, on va la marier. Dans les religions, ça se fait. Quelqu'un va aller marier une femme divorcée. Or, pourtant, la Bible dit aussi longtemps son mari est vivant, si elle se marie, elle est en état d'adultère. Où on a appris ça, c'est pas dans ce message. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mais combien sont ceux qui comprennent pas, comprennent ça comme nous? C'est faux. Comme dimanche passé, je disais, l'autre m'a dit, mais les saints de Dieu n'ont pas le droit de se marier à des veuves. C'est écrit dans le Lévitique 21. Mais pensez-vous que les autres connaissent ça? Mais avec ce que Dieu nous a donné, nous retournons à la vraie parole de Dieu. C'est que Dieu habite en nous. Si Dieu nous l'a donné, il nous a donné la compréhension que nous ne faisons pas. Frère, nous faisons attention. Aujourd'hui, dans les religions, oh, le monsieur va abandonner. L'autre femme lui plaît tellement. Son mari l'a divorcé, l'a abandonné. Peut-être qu'il la soupçonne de le tromper. Il l'a abandonné. Et le pasteur est assis là. Il va déposer sa femme. Comme elle est très belle, elle sait bien se maquiller et tout. Là-bas, le maquillage est très fort. Hein. Et c'est vrai. Hier, ma fille, dont je n'ai pas été ici, elle s'est chérie, je ne voulais pas. Elle s'est chérie, elle dit, papa, ça me fait dire, mais tu sais, laisse ça tresser. Elle dit, quand je tresse ça, quand ça descend, les gens viennent toucher. Demandez si c'est tes cheveux, c'est des mèches. Elle dit, non, c'est mes mèches. Non. Mais parce que les gens sont tellement habitués aux mèches aujourd'hui, que quand quelqu'un laisse ses cheveux comme ça, on ne pense plus que ce soit les vrais cheveux. Et pourtant, c'est ses cheveux. Donc, elle a oublié de faire ça. Rompre le mettre sur sa tête comme ça, quand tu vois sa tête, dès qu'elle a deux têtes. Mais c'est le seul moyen pour être en paix. Elle dit, non, si je laisse tomber papa, déjà viens mettre la main dedans. C'est pas la femme, elle vient mettre la main dans sa cheveux. Et les femmes aussi viennent mettre la main dans ses cheveux. Et ça l'a donné, elle a oublié de retenir ça en haut. Elle peut plus être libre de traiter ses cheveux comme elle le veut. J'ai dit, tu sais, si tu étais une femme mondaine, tu as laissé chaque 2 ou 3 ans, tu coupes ça, tu traites bien, puis tu vends. Chaque 2 ans. C'est comme ça que les Indiens la font, les Indiens de l'Inde. Quand ils vont faire leur adoration, ils ont fini, elles coupent leurs cheveux, parce qu'elles ont longs cheveux, et puis elles les mettent en magasin. Les gens viennent prendre ça pour les vendre. Et il y en a qui prennent ça ici pour les mettre sur les têtes, sont contentes. Est-ce que c'est ça que Dieu vous a donné comme votre gloire? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça qui est votre gloire. Ce que Dieu vous a donné là, c'est ce qui est sur votre tête. Il n'a pas demandé de vous ajouter quelque chose. La fois dernière, j'ai une de mes nièces qui est venue ici avec des faux ongles. Je l'ai attrapée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris les faux ongles pour la gratter. Et puis, c'est tombé un à un. J'ai pris ça pour la gratter. Vous avez dit, je suis méchant, non? Mais pourquoi tout ce qui est sur elle va être faux? Quand tout est faux sur toi, tu es faux? Comment il ne veut pas qu'elle soit fausse? J'ai pris ça. Il dit, ah, moi, c'est ça. Devant sa mère, fait comme ça. Tout pour gratter comme ça, gratter. Tout est tombé. Elle dit, ah, tonton, je ne vais plus recommencer. Mais tu vois, tu manges tes ongles, c'est pour ça que c'est comme ça. Il faut tailler tes ongles normalement. C'est parce que tu mets tes doigts dans l'eau que ça fait ça. Est-ce que moi, je ne mets pas mes doigts dans l'eau? Vous ne mettez pas vos doigts dans l'eau? Vous ne faites pas les lessives? Est-ce que vos ongles sont gâtés? Non, vos ongles ne sont pas abîmés. On veut imiter le monde. Les gens, frères, écoutez-moi bien. Vous pensez que ceux qui créent ça, c'est des chrétiens? Ils craignent Dieu. Ceux qui créent les faux soucis là, les faux, ils craignent Dieu. Vous devenez comme des poupées. Avant, c'est des poupées qui ont des cils comme ça. Maintenant, hier, j'étais à l'aéroport pour aller chercher votre soeur. Je vois une dame qui est arrivée là. Il dit, hey, tout est faux. Ses soucis sont faux. Ses ongles sont faux. Ses cheveux sont faux. Et quelqu'un va te prendre une force. Demain, son portable, là, tu ne peux pas avoir accès à ça. Mais c'est normal, parce qu'elle est faux. Elle est fausse. C'est à l'origine de la fois que tu l'as aimée, mais elle va continuer dans sa fausseté. C'est pour ça que, frère, vous n'avez pas le droit d'aller vous marier dehors. Amen. Frère, marier des femmes qui ont la même foi que vous. Amen. Mais je sais bien, si tu es parti la chercher, c'est que vous avez la même foi dehors. Hein. Parce que tu peux pas, si tu ne trouves pas dedans celle qui est ta foi, et que tu as tout dehors, c'est que vous avez la même foi. Ta foi est dehors, sa foi est dehors, alors vous prenez là-bas.
Et puis il y a des gens qui vont venir vous marier. Oh, c'est que vous tous avez la même foi. Ceux qui vous marient ont la même foi que vous. Frère, comment je peux me marier une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord? Dites-moi. Comment pourrais-je pratiquer une chose dans laquelle je ne suis pas d'accord? Voilà quelqu'un qui est faux, qui vient, et les deux sont faux, et il veut que moi, je scelle leur lien de fausseté. Mais c'est que moi aussi, j'ai un esprit faux. Si j'ai un esprit correct, je devais les mettre en garde et les répudier de chez moi. Pour leur dire, sortez de chez moi, allez-y. Vous pensez que je suis faux comme vous? Je ne suis pas faux comme vous. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche. Des serviteurs de Dieu qui n'ont pas de colonne vertébrale. Ils manquent de discernement. Frère, le temps est arrivé de savoir qu'est-ce que Paul a pratiqué, qu'est-ce que Pierre a pratiqué, qu'est-ce que Jacques a pratiqué, qu'est-ce que Marc a pratiqué, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué en leur temps. Si nous retenons ce temps-là, est-ce qu'il y avait tellement de fausseté comme aujourd'hui? Que Dieu nous aide. Je poursuis. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Serviteurs, craignez, obéissez, comme si vous obéissez à Christ. Un chrétien qui vit chez quelqu'un, qui travaille chez quelqu'un, il doit faire comme s'il le fait pour Christ. La fois dernière, j'ai appelé l'un de mes enfants. On lui a confié, il n'était pas très content parce qu'on l'a tellement bousculé. Et puis, dans ça, il a perdu toutes ses pièces, tout ceci, l'argent et tout. Après, je l'ai appelé. J'ai dit, mon garçon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà. Tu as raison. Mais je vais te dire une chose. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire comme pour le Seigneur. Tu ne dois pas te rechigner. Quelles que soient les contraintes dans lesquelles on te demande de le faire, tu le fais comme si tu le fais pour le Seigneur. Alors Dieu te bénira. Parce que si longtemps on ne peut rien faire comme pour le Seigneur, on ne peut pas s'attendre à une bénédiction. Qui va nous bénir? C'est Dieu qui nous bénit. Frère, sœur, je suis servant chez quelqu'un, mais je dois faire le travail comme je le fais pour le Seigneur. Je ne vois pas la personne qui me paye. Je dois voir Christ. Amen. De qui je dois recevoir la récompense. C'est le jour de la restauration, comme on est au dernier jour des quatre objectifs du message de la fin des temps. Alors, on met le paquet sur ce qu'on doit faire pour que nous sachions comment l'Église doit faire, comment nous devons fonctionner, comment nos frères doivent fonctionner, comment nous devons vivre, comment les enfants doivent vivre, comment nous devons vivre avec les enfants. Frères, c'est important. Voilà, il est 7h30. Il est 17h30 plutôt. Ça fait déjà 2 heures, non? C'est ça, non? Vous êtes un peu fatigué? Je vois Aladé qui est couché sur son canapé. Faut pas faire, je te reprends comme j'ai fait à courir. Tu te souviens, non? Tu étais là-bas? D'accord. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Bien-aimés, vous comprenez? Vous qui frère, faites-le. Faites-le, Dieu va vous bénir. Je peux vous parler de certaines choses. Souvent, ce n'est pas bien de dire, parce qu'on va penser que tu parles de toi. Mais frère, quand vous le faites, Dieu vous bénit. Quand on vous maltraite, quand on vous méprise, faites-le simplement. Même si on vous refuse vos droits, faites-le simplement. Je sais de quoi je parle, frère. Plus tard, ces hommes-là, bon, j'ai dit une chose. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était mon chef, il était le propriétaire de sa propre société. On travaillait. Peu m'a donné ce qu'il a commencé à me mépriser. Même ce que j'ai comme droit à donner, il ne voulait pas le faire. Moi, j'ai fait mon travail comme je le fais pour le Seigneur. Mais je dis, il va finir par être mon esclave.
On arrivait au point où frère et soeur, si moi je n'ai pas visé une lettre qui doit sortir, ils ne le signent pas. Ils ont tous donné un billet. Moi j'avais seulement une maîtrise, une chose, un deuil. Comme je n'ai pas fait les États-Unis, ils ont tous fait les États-Unis, c'est à laquelle je travaille. Il y a une qui a fait HEC de Paris. Donc c'est moi celui qui ai fait les diplômes en Côte d'Ivoire avec un deuil simplement. J'ai dit lui là, je vais servir Dieu, il va devenir mon esclave. Je fais tout comme pour le Seigneur. Pour finir, pour qu'une lettre sorte de la société. Ce n'est pas comment je l'ai rédigé. Hein. Quiconque, même son adjoint, qui rédige, si moi je n'ai pas visé, il ne signe pas. On arrive au point où la seule personne à qui il a confiance entièrement, c'est à moi. Vous pensez qu'il m'a payé comme il se doit? Il a tout retenu mon salaire. Quand il me nomme ici, le salaire qu'il doit me donner, il retient ça. Il va voir ça après. Quand il me nomme, le jour je suis parti, de là jusqu'à le port, il a vu s'asseoir dans mon bureau, il dit, Badi, tu es pas dans beaucoup de bois, on n'a plus de bras pour travailler. Il dit, on n'a plus de bras pour travailler. Depuis que tu es parti, on n'a plus de bras pour travailler. On a beaucoup de boulot, mais on n'a personne pour le faire travailler. Donc moi, ceux qui étaient là-dedans, je fais tous les boulots. Parce que je fais le travail comme pour Dieu. Je ne faisais pas comme quelqu'un qui fait tout ça à quelqu'un. Oui. Et il était obligé quand je suis parti de payer tout mes droits. Au début, il a hésité. Mais il a tout payé. Jusqu'au dernier centime. Il a tout payé. Frère, c'est Dieu qui défend. Hein. Vous voulez que Dieu vous défende? Faites ce que Dieu dit. C'est le temps, frère. Vous voulez voir avant le Saint-Esprit? Nous devons faire ce que l'Esprit a écrit. Ne pense pas que c'est les hommes. Hein. C'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. S'ils ont parlé, c'est écrit pour nous. Appliquons-le, vivons-le. Alors, si nous voulons être restaurés, frères, nous-mêmes, nos foyers, nos enfants, même les serviteurs. Dans un bureau, on est au service de quelqu'un. Oui, frère. Faites-le simplement. La fois, il y a quelqu'un, vous savez, il m'est arrivé de travailler à ce temps-là. Un jour, j'ai travaillé de 18h jusqu'à 6h du matin, assis là. Et quelqu'un dit le matin, je me suis lavé, je suis encore allé au travail. J'ai travaillé qu'à 22h avant de rentrer. Mais on aurait pu dire, mais j'ai trop travaillé la nuit, j'ai travaillé toute la nuit, je ne peux pas aller au travail, je suis fatigué. Normalement, je suis très fatigué, mais je dois aller au travail. Je le faisais pour Dieu. Je ne faisais pas pour celui avec qui je travaillais. Quand vous le faites, de tout cœur, Dieu vous bénit. Il vous bénit forcément, frère. Vous voulez être béni, frère, appliquez strictement et aveuglément ce qui est écrit dans la Bible. Faites aveuglement ce qui est écrit dans la Bible. Vous allez plaire à Dieu en le faisant. Si vous rechignez, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'il ne va vous conduire à le faire. Il va vous pousser à le faire. Et vous le ferez sans vous plaindre. Non, vous le ferez avec joie. Même là où on vous méprise, vous le ferez avec joie. Pour confondre vos ennemis. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, vous voyez, frère, nous sommes arrivés. J'ai encore quelque chose, mais ce n'est pas la peine. Je pense que l'essentiel a été dit. Hein? L'essentiel a été dit. Ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur, ce que nous devons faire pour que notre foyer plaise au Seigneur, ce que nous devons faire pour que nos enfants plaisent au Seigneur, ce que nous devons faire pour que l'Église soit conforme à la volonté de Dieu et que son Esprit vienne au milieu de nous et qu'il puisse donner à chacun de nous ce qu'il veut, ce qu'il a donné, il a prévu. Frère, de sorte que les églises du Messie ne soient plus des églises mortes comme les dénominations. Oublions les traditions dénominationnelles, frère. Sortons des traditions dénominationnelles. On a pensé quitter les traditions, on a pensé quitter les dénominations, mais nous poursuivre. Que Dieu nous aide à sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne, qui avait pris soin le temps de nous écouter jusqu'à la fin, que Dieu soit avec vous. Mais sachez que de vos décisions sortira la fin de votre vie. Amen. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur?
ton ton vêtement sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Et son festin est préparé. Pour cela, pourrais-tu renoncer au monde de ses plaisirs? Marches-tu dans la lumière? Es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit, viens. À c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh, Maranatha, Alléluia. Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, Jésus vient, et son festin est préparé. L'état mondial nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes, l'étoile du matin. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Alléluia, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, et son festin est préparé. Que mon cœur attend sur un lieu sans mort et sans destruction. Oui, passées seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. Là je pourrai rencontrer Jésus, mon roi et tous les saints. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, et son festin est préparé. J'avais oublié de vous dire que la famille Aka et ceux qui sont en Suisse ont demandé de transmettre leurs salutations. Je pense qu'ils se portent bien. Donc,
notre bien-aimée sœur est venue avec les salutations. Aladé me dit également que oui, il a eu des échanges avec la sœur dont je parle, mais elle ne lui a pas envoyé la dîme. Pour le moment. Oui, c'est ce que tu as dit. Elle, pour le moment, n'a pas envoyé. Bon. Je pense qu'elle va, elle a suivi certainement que si elle doit envoyer, elle enverra. Mais elle est libre de la payer où elle veut bien. Amen. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, t'exaltons et te célébrons. Parce que tu nous as parlé simplement. Dans la simplicité, tu as parlé à nos cœurs. Donne également à nos cœurs d'être humbles, d'être honnêtes, d'être bons pour la mettre en application, pour vivre ces choses afin que tout change en nous et que nous soyons des croyants déclarés par toi, pas par nous-mêmes. Pas que nous en sommes des croyants, mais toi, tu nous déclares des croyants convertis qui ont reçu de toi tout l'héritage. Seigneur, accorde-le à chacun de nous. Et à ceux qui sont en ligne, à ceux qui écouteront aussi après, que cela leur soit accordé. Merci également pour le temps que tu nous as donné. Hier, à cette heure-ci, il pleuvait tellement, avec le vent, notre Dieu. Mais depuis que nous tenons nos réunions, tu nous as toujours gardés. Amen. Tu as toujours permis que ceux qui sont dehors sous les bâches ne reçoivent aucune goutte de pluie. Sois loué, remercié, sois glorifié. Oh notre Dieu, merci. Nous recommandons déjà la semaine qui a commencé dans tes mains. Bénis chacun. Bénis les œuvres de chacun. Bénis l'ouverture des mains de chacun. Et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. La réunion est terminée. Vous qui êtes en ligne, que Dieu soit aussi avec vous.